Merci. Je voudrais tout d'abord dire merci aux enseignants et aux élèves qui ont quand même dû en partie travailler dans le bruit un certain temps. Parce que dans tous les chantiers qui sont des chantiers scolaires, bah, fatalement, on doit faire cohabiter et les entreprises, et les enfants, et les professeurs. Ça s'est très bien passé à la plante. Les travaux ici étaient plus conséquents. Il faut se dire qu'on parle d'un ancien corps de logis qu'on reconvertit en classe, en local de sieste, en bureau, en locaux adaptés aux plus petits. Et tout ça nécessitait quand même des aménagements conséquents. Comme Anne vous l'a dit, ben, on a dû rédiger un cahier de charge et je remercie toute l'équipe du bureau d'études qui est ici présente, l'équipe de Pierre Mine et du bureau d'études, qui a suivi ce chantier. L'investissement total qui a été consenti, c'est un investissement de 220 000 euros. Pour rappel, on avait déjà consenti en 2009 180 000 euros ici à l'école de la Plante, donc c'est 400 000 euros sur quelques années, c'est quand même conséquent et c'est pas mal par rapport à la population, mais je pense que le collège, en général, tous les dossiers relatifs au bâtiment de l'enseignement, le collège suit, faut peut-être un peu se battre au moment du budget, mais après, on a su, il y a des équipes techniques, que je salue à nouveau, la suivre correctement.